Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Catherine. Hola Catherine. Hola Karim. Tu vas nous expliquer comment tu as appris l'espagnol depuis zéro, comment tu fais aujourd'hui depuis à Barcelone pour communiquer, comment tu as fait, tes secrets, ton expérience. Tu nous dis tout. Les trucs. Aïe. C'est juste. Vamos. Vamos, juste après ça. On est aujourd'hui à Barcelone. Tu n'es pas de Barcelone et tu ne vis pas à Barcelone. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent? Alors, je m'appelle Catherine, j'habite dans le nord de la France et mon objectif pour 2023, c'était d'apprendre l'espagnol. Voilà, on a tous un vœu pour la nouvelle année. Donc, moi, j'ai commencé en janvier, donc ça fait 6 mois. Je ne parlais pas un mot d'espagnol avant. Tu ne parlais pas du tout espagnol? Pas du tout, je n'ai pas fait d'espagnol à l'école. D'accord, tu n'as pas fait espagnol à l'école? Et tu n'avais pas, tu pouvais rien dire en espagnol. Non. D'accord. Non. Rien. Et c'est pour ça, comme ma fille vit à Palma de Mallorca, la dernière fois que je suis allée, ça m'a vraiment, j'ai souffert de pas comprendre, de pas pouvoir dire quelque chose, de pas pouvoir rentrer dans une boutique ou demander quelque chose. Donc c'était mon objectif 2023. Ok. Et là, je suis enchantée. Ok. Je me débrouille depuis 4 jours. Bravo, c'est top. Donc, tu es en cours de formation, tu n'as pas fini ta formation. Ah oui, j'ai pas fini ma première formation. Et donc, ça fait 6 mois que tu es dessus. C'est une formation en 9 mois, sa formation espagnole de A à Z, ouais. Pour commencer depuis zéro. Au bout de 6 mois, tu es aujourd'hui à Barcelone. Je t'ai vu, on s'est déjà vu et je vois que tu communiques. Et je te vois sur Zoom chaque semaine. Mais tu peux faire quoi? Comment tu te sens ici à Barcelone? Ah, mais j'ai absolument pas peur. J'avais réservé avec Airbnb, il a fallu téléphoner pour débloquer l'appartement. J'ai su téléphoner. Je peux faire mes cours, je peux faire les soldes. Je prends le taxi, je me débrouille très bien. J'ai absolument pas peur, je ne suis pas perdue du tout. Je me débrouille complètement. Et les gens comprennent et me répondent. Je demande pour parler plus doucement. Et puis, tout se passe très bien. Je comprends ce qu'ils disent et j'arrive à communiquer. C'est okay. Génial. Et tu m'as raconté que tu as... Donc, ça s'est fait en espagnol, le problème avec Airbnb? J'avais un problème pour ouvrir les portes. Et après, on avait un problème pour la clé Wi-Fi. Et en téléphonant, tu as dû appeler pour pouvoir rentrer. Tu étais bloqué dehors, c'est ça? Oui, j'étais bloqué dehors. Bienvenue à Barcelone. Heureusement, c'était le matin et il faisait très beau, donc tout va bien. Mais de ce fait, tout a été résolu. Tu avais un numéro de téléphone, tu as appelé et tu as dû expliquer. Oui, et puis elle ne parlait pas français, pas anglais, donc il a fallu que je parle espagnol. Ah, j'avais pas compris ça. Ah oui, oui. Et donc, pour pouvoir rentrer, tu as dû expliquer en espagnol. Oui, la réservation, les noms, pour combien de jours. Waouh, top! Super fière. Top. Bah, je suis content que tu aies eu un problème. Ouais. Ah, oui. Je suis content. C'est, du coup, ça t'a montré dès le début, ça t'a montré que tu pouvais... Ah, je n'osais pas téléphoner au début. Hein. Et après, voilà, du coup, le lendemain, j'ai fait des réservations de restaurants en espagnol. Au téléphone aussi. Ah oui. Alors, dans les bars ou les trucs, c'est hyper bruyant. Et non, tout ça s'est bien passé. Ouais. Super. Et donc, toi, tu apprends pour toi, pour pouvoir rendre visite à ta fille. Et puis, pour voyager, je suis super contente de venir ici. La prochaine fois, j'irai bien à Madrid, vu que j'ai vu ta vidéo sur Madrid. Ça m'a fait vachement envie. Donc, la prochaine fois, je pense que j'irai à Madrid. Et Madrid, je pense que c'est encore plus beau. Ouais, c'est différent. Je suis vraiment contente. Top. Très contente. Top. Et puis, très contente de rencontrer Karim. Voilà. Ben ouais, parce que du coup... Dans ta formation, tu as les vidéos que tu suis en autonomie. On est en contact avec les devoirs à l'écrit à l'oral. Et nous, on se voit. Et en plus, tu es hyper assidu. C'est pour ça que tu... Il y a un moment, je suis un petit trou. Oui, vacances et le déménagement. J'ai mon déménagement, donc je suis un petit trou. Mais franchement, il faut faire les zooms. Bah ouais. Et tout le monde, comme on est débutant, on n'a pas peur. D'abord, on se présente, tu nous demandes comment on va, qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain, un petit peu de grammaire, et après un petit sujet, et après tu nous demandes notre avis, une petite conversation, et on parle, et chaque personne s'exprime à son rythme, du coup tu nous corriges, après tu notes, et puis après on a la fiche, c'est génial ce zoom, franchement, les zooms, c'est génial. Bah, et en plus, c'est super. C'est drôle, on s'amuse, on est content de venir. Ouais. Une très bonne ambiance, c'est bienveillant. Super ambiance. C'est très sympa de voir les gens connectés. Il y a les gens de France, d'Espagne, des gens connectés depuis le Mexique. Après, on se retrouve. Le Québec. Et puis, on se... Ouais. Quel serait ton conseil
Alors, tu n'as pas fini la formation, mais toi Non. qui es passé de zéro Ouais, à mes résoudre un conseils, problème Airbnb au c'est téléphone. vraiment être assidu au début. Parce que ben, malheureusement, ce n'est pas rentré encore complètement dans la tête. Donc au début, ben, il faut travailler pour que ça rentre. Maintenant, je vois que bon, j'ai eu mon déménagement, j'ai raté un peu une semaine de cours. On perd moins. Mais franchement, au début, je pense que si on manque, enfin, ça m'est arrivé de manquer une semaine, et ben là, on oublie vite. Donc vraiment, et tous les jours, revoir les quelques verbes hyper courants. Et puis moi, dans mon auto, ben, je me raconte ma journée en espagnol. J'écris même des messages à mes filles en espagnol, qui parlent un petit peu espagnol toutes les deux. Mais vraiment, je crois qu'au début, il faut être assidu, il faut vraiment y aller. Alors après, on peut se permettre des fois d'un jour ou deux. Mais bon, c'est comme tout, c'est comme le sport, faut pratiquer. Voilà, il n'y a pas de miracle au début, mais bon, il y a des jours on en fait 1 heure, il y a des jours on a du temps, il pleut, on en fait 2 heures, il y a des jours on n'en fait qu'une demi-heure, et puis essayer de revoir le vocabulaire de la veille. Moi j'ai mon classeur, des fois je fais au pif, hop, je Ah, tu reprends t'interroges et au je regarde pif. un peu mon Top. vocabulaire, et Top. ouais, Aïe, et je aïe, reprends aïe. une autre leçon, hop, au pif, et voilà. Super. Donc, tes conseils, ce serait, je suis 100% d'accord, être régulier, surtout au Surtout début. au début. Et puis, c'est top. T'as foncé sur les basiques. Ne Ouais. pas trop s'embêter au début, être en mode instinct de survie, apprendre les basiques Ouais. pour pouvoir communiquer très Oui, rapidement. voilà, très Et tu as rapidement. communiqué très rapidement. T'es Bah mis au oui, les Zoom, t'es Zooms, mis au ouais, Zoom très très rapidement. Et vite. puis après, moi j'écoute, je commence à regarder des films en sous-titré. Je me refais les Almodovar en sous-titré. Je trouve qu'en plus, Top. l'Almodovar, c'est un petit peu. C'est pas trop difficile, il parle pas trop, trop C'est très vite. lent, ça peut Ouais. être très lent, ouais. Voilà. Et puis moi, je me suis fait une playlist sur Spotify, donc j'écoute, et puis des fois je m'assieds, et puis je lis les paroles, et puis s'il y a un mot, ben je m'en vais le chercher, Ok. ou voilà. Et toutes tes petites vidéos YouTube, Ok. l'avion, le voyage, le restaurant, ben, les trucs qu'on fait quand on voyage, quand on va au restaurant, on prend Un truc au pratique. l'avion, on prend le taxi, voilà. Ok. Si quelqu'un, c'est la dernière question que je pose à tout le monde. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Et Et bien franchement, c'est justement. hyper sérieux ta formation. Tu fais les corrections très vite. On a quand même 2 cours par semaine, plus le zoom, plus les exercices sur le site. Franchement, Mais c'est je complet, suis ouais. hyper contente. C'est Top. complet. Ouais. Et bah justement, si quelqu'un est trouillard derrière sa caméra et dans ta situation début janvier, décembre, et n'ose pas forcément se lancer, hésite, est-ce que tu auras un message pour cette personne? Oh bah, faut le faire avec Karine. D'abord, on s'amuse, on apprend, ça fait travailler la cervelle, c'est quand même pas négligeable. Et puis après, on voyage, moi je suis super fière. Et puis bon, de toute manière, moi après, je fais la suite, hein. Bah Top. oui! Ah bah, moi je savais pas dire un mot. Et puis je suis pas très bonne en langue, hein. J'ai Ah. déjà essayé d'apprendre l'anglais plusieurs fois. Bon, je me débrouille un peu en anglais, mais je suis bien meilleure au golf. Et bah, tu te Ouais. défends Non, je super bien en pense pas, espagnol. ouais, je me C'est top. débrouille pas mal. Hein. Du coup, Et puis en j'ai six pas eu mois. peur de me. C'est fou. Franchement, pour moi, je pensais pas que j'allais parler. Ouais. Comme quoi, il faut vraiment vite, vite apprendre les quelques verbes pour se dire, j'ai faim, je m'appelle, j'ai soif, je fais ci, Les je fais basiques. ça, les petits basiques. Et après, du coup, quand tu nous demandes qu'est-ce que vous faites en fin de semaine, eh ben, on sait répondre. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh Ouais, ben voilà. top. Bravo, c'est Merci, top Karine! ici. Bravo pour Ouais. tout. Alors, on est en contact puisque tu es en cours de formation. On se retrouve peut-être, je sais que tu pars cette semaine, Ah, je ou pars demain peut-être qu'on se voit. matin. Ok, Moi, donc je on se pars voit demain peut-être la matin. semaine prochaine sur Zoom. Ah ben oui, Aïe, aïe, aïe! évidemment. Bon, je vais Oh. choisir un sujet Ah. concernant de... Ok, donc on se voit la semaine prochaine. Ouais. Bonne continuation, mais on est Ah en ben oui, je suis contact. super contente. Si vous avez aimé cette vidéo, ce témoignage, n'hésitez pas à faire un petit like pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Espagne Passata. Et surtout, si vous avez des questions pour Catherine, eh bien, n'hésitez pas à les écrire en dessous. J'y répondrai. Si tu as le temps, tu peux répondre Ben avec oui. plaisir. Et sinon, je m'en occupe aussi. Et puis, on est en contact. On va aller, vamos a ir a una cervecería. C'est un endroit où on peut boire en terrasse. Hace calor. Hace calor. Hasta luego. Adiós, Adiós. adiós. Adiós.